Alors, on se retrouve pour la fin du tuto de la fête des pères. Enfin, la fin. Là, vous allez voir ça au début parce que j'ai une partie de mon tuto qui ne s'est pas filmée avec du son. Donc, sur cette partie, je vous expliquais juste que j'utilisais le papier qui venait de ce bloc d'action. Voilà, le papier béton. Et que j'avais utilisé de la peinture noire acrylique également qui vient d'action pour faire le pochoir. Donc, je ne sais pas si vous allez réussir à bien voir. Donc, ça, c'est la création finale. De toute façon, tout est expliqué dans la vidéo qui suit. Voilà. Et je souhaite une bonne fête des mamans à toutes les mamans qui regardent mes vidéos. Bonne journée. Voilà la création finale du tableau de la fête des pères. Avec le pochoir ici en peinture et l'aide papa fait en killing, en rond de killing. Voilà, bonne journée. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite du tuto pour la fête des pères. Donc j'ai fait une grande pause entre deux, mais vous ne verrez pas forcément, parce que j'ai profité du beau temps. Voilà. Donc pour terminer, donc la dernière fois on est arrivé ici. On avait fait, je vous avais montré que sur le papier, on avait juste fait au pochoir les engrenages et avec la petite horloge au milieu. On s'est juste arrêté là. Donc là, hors caméra, j'ai préparé des ronds. Noir. Donc il y a en tout 54 ronds pour faire le mot papa. Donc on va positionner sur le bas du papier. Voilà. Pour cela, donc ce que j'avais pensé faire, donc on va le faire quand même sur une toile. Donc c'est une toile 24-30, comme d'habitude, une toile plate qui vient d'action. J'ai pris un papier noir en 24-30 que j'ai découpé à la mesure du tableau. Donc on va le coller dessus. Voilà, donc ça va faire un tableau noir. Donc là c'est pas collé, hein. Je vous montre juste comme ça. Rien n'est collé. On va positionner, on va essayer de centrer donc le papier. Voilà. Avec les engrenages. On va essayer de centrer. Voilà. Et là, on va juste coller donc, le mot papa. Donc, j'ai fait un exemple avec le P et le A pour les ronds, comment on va les mettre en fait. Donc, on va le plus et à notre modèle que j'ai hors caméra. Donc, voilà. Donc, on va mettre ensemble le P et le A. Donc, on va le positionner comme ceci. Donc, là, je vais juste positionner les ronds. Est-ce que je suis bon au niveau de la caméra? Attendez, on va peut-être échanger. Je pense que comme ça, ce sera mieux. Donc j'ai dit 1, 2, 3, 4, ça c'est 7. Donc 7 de haut.
là c'est la barre du P. Ensuite, on en met un à côté du premier, un au niveau du quatrième. Et là, on essaye de faire l'arrondi pour le P. Voilà. Maintenant, pour faire le A, donc on essaye de s'aligner en bas pour être à peu près de la même largeur. Et là, on va positionner donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 comme pour le P. On fait la même chose de l'autre côté. Et on met le rond du milieu au niveau du quatrième, ou par la barre du A. Désolée, c'est parce que voilà, mon fils était dans mon espace et ma fille elle le retirait parce que je lui ai demandé. Donc il crie. Désolée. Ça va pas durer longtemps. Hein. Donc là on va refaire un P. Donc pareil, on espace un petit peu, on reste toujours à la même largeur. Je vais les positionner avec vous. Donc vraiment pour qu'on voit si je me suis pas trompée dans les quantités. Bon, parce que je pense, parce que je vous ai 54 ronds. Voilà, c'est pour ça qu'on les positionne ensemble pour être sûr que c'est bon. Donc là, on va entamer le dernier A. Voilà, donc j'ai vraiment choisi cette technique pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Voilà. Donc je vais tourner le tableau après pour que vous puissiez le voir correctement. Donc je sais que ma qualité son n'est pas top. Faut que j'essaie de trouver un autre logiciel pour filmer. Parce que là je filme avec le logiciel intégré sur mon ordinateur par rapport à ma webcam. En fait, il ne détecte pas mon casque micro. Ce qui fait qu'en fait, là, le son, c'est le son de l'ordinateur directement. Donc, ce qui fait un son un peu de fouille. Voilà, donc là, je fais 7 des deux côtés. On remet la barre là au milieu. Et il me reste 2 ronds. Donc, normalement, donc, le 7, ce serait 52. Au niveau de mon P, je sais pas, là, j'ai mis 4 ronds et tout à l'heure, j'en ai mis 2. Donc, voilà. Donc, ça fait ceci. Voilà, donc moi j'ai positionné près. Je pense que pour le collage je vais le décaler un petit peu pour essayer de centrer des deux côtés, bien qu'au final ça fait quand même assez centré. Et en fait au dessus il y a juste à écrire au feutre ou avec des brillants, enfin avec ce que vous préférez, bonne fête ou je t'aime, selon si vous voulez l'offrir pour la fête des pères ou pour un anniversaire par exemple. Et au dessus vous pouvez donc soit décorer donc le papier noir ou soit le laisser juste comme ça. Moi, je pense que je vais certainement faire des petites arabesques en feutre argenté pour rappeler le papier gris. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous ai pas dit, donc mon papier noir, c'est du 120 grammes parce que j'ai pas en dessous. Donc j'ai pas pu le tourner avec mon stylet électronique. Je l'ai fait vraiment avec le stylet simple parce que sinon les bandes n'étaient pas assez serrées pour faire le rond. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube, à ma chaîne YouTube et à aller voir ma page Facebook. Voilà, je vous souhaite une bonne fête des mamans pour les mamans qui me regardent parce que donc comme le tuto sort samedi, la fête des mères c'est dimanche. Donc bonne fête à toutes les mamans et à très vite.